Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve un dimanche après-midi. D'habitude c'est un blabla de week-end et en fait ce week-end on n'a rien fait de spécial, mais alors rien de chez rien. Il y avait un petit truc spécial que je voulais faire, c'était aller chez le coiffeur pour me faire couper un peu la tignasse, refaire un petit peu la mèche, refaire un peu le dégradé et puis éventuellement couper ici au niveau des épaules avant de couper peut-être plus court plus tard dans l'année puisque je voulais continuer à me les attacher. Du moins jusqu'à la fin du mois de décembre pour pouvoir aller au sport tranquille sans être embêtée. Et puis ben, on est allé chez Chip hier matin, en fin de matinée, il devait être quoi, peut-être 11h, et il y avait plus d'une heure d'attente. Et moi il était hors de question que je reste une heure à rien foutre, donc non. J'ai demandé s'ils avaient du creux dans la journée, s'il y avait de temps en temps des vagues creuses, il m'a dit on ne peut pas savoir, voilà, donc bref. Donc ben, on est parti. On n'a même pas retenté le coup plus tard, rien, c'est pas grave. Moi, je verrai mercredi, parce que normalement, mercredi midi, je suis toute seule au boulot, j'aurai personne avec qui manger, ma collègue est en RTT, donc ne rentrera pas, enfin, rentrera chez elle manger le midi avec ses enfants, normal. Et l'apprenti, c'est la semaine où elle est à l'école, donc normalement, voilà. Je devrais être toute seule à déjeuner mercredi, donc peut-être que j'irai mercredi chez le coiffeur. Donc je me suis dit, bah, je vais un peu vous raconter mon week-end de misère, entre guillemets, avec cet épisode coiffeur chaotique qui n'a pas pu se faire. Donc voilà, rien de spécial. J'étais en week-end à partir de jeudi soir, puisque du coup jeudi soir on est allé voir des amis sur Paris. C'est une amie surtout de Simon, qui connaît depuis plusieurs années. Et moi, pareil, ça fait quelques années maintenant que je la connais. Elle habite dans le sud. Donc ce qui fait qu'on n'a pas eu l'occasion, enfin moi j'ai pas eu l'occasion de la voir très souvent. Et puis bah là, ça faisait ouais, peut-être 2 ans qu'on ne s'était pas vu. Et donc, comme elle montait à Paris pour un séminaire de boulot, et bien du coup, elle a pris contact avec plusieurs amis. Et on est allé manger au resto ensemble. Donc voilà, on est monté sur Paris. Il y a eu une dégustation de vin. J'ai regardé les gens boire, manger de la charcuterie, tout ça. Et après, du coup, on est allé dans un restaurant de poisson qui était, ma foi, très très bon. C'était un menu à 32 euros avec une petite soupe de courge, du cabillaud, une purée de carottes et puis en dessert un fondant au chocolat. Ma foi, c'était très bon. Après, on est rentré. Vanessa Lapoisse, bonjour. Puisque du coup, moi, j'achète pas mes tickets à l'avance parce qu'avant, j'achetais effectivement des carnets. Et quand j'achetais des carnets, eh ben, ils se démagnétisaient. Voilà, mes tickets. Donc, ce qui fait que quand je voulais les réutiliser une ou 2 semaines plus tard, eh ben, ils ne marchaient plus et il fallait que je les fasse échanger. Donc maintenant, Simon m'a dit, bah, quand tu as besoin d'un ticket, tu l'achètes au moment où tu vas l'utiliser, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Pour aller à Paris, j'ai acheté mon ticket, donc pouf, il est passé nickel. Après, bon bah, on a retrouvé des gens, on est allé boire, enfin, ils sont allés boire un verre, et c'était, après, il fallait aller au restaurant à quelques stations de métro, donc il a fallu racheter un ticket, donc on a racheté un ticket. Et puis bah, après, bah, comme l'amie de Simon, elle avait acheté un pass pour la journée, en fait. Elle s'était trompée, c'était pour le lendemain, et au final, quand elle a pioché dans son sac, elle a utilisé celui-là. Donc, elle a dit, bah, si tu veux, je te le passerai, comme ça tu rentreras chez toi. Moi, j'ai vu que c'était pour la zone 1 à 2, même si normalement en région parisienne, maintenant c'est dézoné. Et ben en fait, il y a toujours des blocages au niveau des portes. C'est-à-dire que si vous prenez un ticket jusqu'à telle station, même si c'est dézoné en soi, parce que maintenant la carte orange, etc., est dézonée, eh bien, vous ne pourrez pas sortir à la station suivante, en fait. La porte ne s'ouvrira pas. Là, comme j'étais avec Simon, et on sait que à la station qui est à côté de chez nous, la majorité des gens qui sortent, eh ben, ouvrent la porte pour les poussettes, donc ce qui fait que la porte est grande ouverte, et donc tout le monde se faufile. Donc j'ai dit, bah, je ferai pareil. J'avais quand même un doute, moi j'étais quand même en train de dire, je vais avoir un ticket où ça va être que zone 1 et 2, nous je crois qu'on est en zone 5 ou un truc comme ça, 4 ou 5. Donc j'ai dit, il va y avoir un souci, je ne pourrai pas sortir. Simon, il a dit, tu sortiras avec moi. Je dis, bon, bah d'accord. Et on arrive donc du coup à 2 stations de chez nous. Qui c'est que je vois monter dans les transports? Les contrôleurs. Donc je savais très bien que j'allais me prendre une prune. Donc je dis à Simon, qu'est-ce qu'on fait? On descend. Et il a dit oui, on descend. Donc on est descendu. Et il est ressorti de la station. Il a racheté un ticket juste pour 2 arrêts de RER. Et donc du coup, il est re-rentré, il m'a filé mon ticket. Et puis bah, après, bah, voilà, on a réattendu. En fait, on a perdu une vingtaine de minutes en gros, au moins. Entre le moment où effectivement on est sorti du RER, acheter un ticket, attendre le RER suivant et puis après rentrer chez nous. Bref, Vanessa la poisseuse. Bon là de toute façon je le savais, hein. J'ai dit pour une fois que je fraude, il faut qu'il y ait. Alors que franchement ça fait 3 ans maintenant, bientôt 3 ans qu'on habite ici, 2 ans et demi. À chaque fois j'ai pris un ticket
je n'ai jamais, jamais été contrôlée. Jamais. Le fois où j'ai un ticket foireux, il y a les contrôleurs dans les parages. Je vous dis, c'est pour se rapprocher du vlog de y a 2 semaines, où il y a marqué sur ma gueule, en fait, je suis une poisseuse finie, mais alors, voilà. Donc, bref, pour en revenir à cet épisode, du coup, on est rentré jeudi soir assez tard. Simon, le lendemain, est allé travailler parce qu'il avait des réunions importantes. À la base, on avait prévu de poser tous les deux notre vendredi, mais il avait des réunions assez importantes, donc du coup, il n'a pas pu poser, mais il est arrivé un petit peu plus en retard que d'habitude, il est arrivé un peu plus d'une heure plus tard que d'habitude. Moi, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, si je me lève à 6h, si je me réveille instinctivement à 6h, j'irai travailler aussi. Puis au final, bah, je me suis levée, il était 7h30, 8h. Il était presque 8h, donc j'avais pas envie de courir. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait le vendredi matin? Vendredi matin, j'étais faire mes petites courses. J'ai été quand même faire à 2 magasins différents. Après, l'après-midi, j'ai été poster un colis. Le calendrier de l'Aventé que je fais avec Emma. Et la poste, franchement, ça devient vraiment des voleurs, quoi. Ils se plaignent que les gens vont voir ailleurs, mais ils font tout pour, quoi. Parce que c'est vrai que déjà, à la base, envoyer un colis via la poste, c'est cher, parce que c'est au poids. Et donc voilà, ils font pas de forfait ni rien. Donc moi, j'ai envoyé un colis qui apparemment fait 7 kilos. Déjà, rien qu'un colis de 7 kilos, je crois que ça aurait dû me coûter 16 € quelque chose, un truc comme ça. Et là, elle me dit, ah, depuis cet été, tous les colis qui pèsent plus de 5 kilos, c'est en recommandé contre signature obligatoire. Donc elle m'a facturé un recommandé, j'en ai eu pour 21 € pour poster un colis de 7 kg. Pour envoyer un swap calendrier de l'Avent, j'en ai eu pour 21 €. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que vous me voyez, madame. Je passerai par les points relais pour envoyer mes colis de plus de 5 kg maintenant, c'est terminé. Donc voilà, elle m'a dit, vous savez, moi je vais pas dans une poste, enfin, pour envoyer mes colis, dans une poste postale en fait. C'est une agence postale, oui, avec une agent de l'Amérique à l'intérieur. Donc elle me dit, vous savez, moi-même, je n'envoie plus mes colis par la poste, c'est trop cher. Donc voilà, hein. Donc autre poisse du week-end. Et donc vendredi soir, on n'a rien fait de spécial. Samedi, Simon s'est réveillé assez tôt et on est parti, je crois qu'il est 10h30, on est parti de la maison. On a dit on va aller faire un tour au Val d'Europe, se faire couper les cheveux, raté. Le tour du Val d'Europe, il a été assez rapide. Après, du coup, on est allé faire un tour dans une zone industrielle à Montévrin. On a acheté quand même 2-3 conneries. On a fait, voilà, babou, la foire fouille. On a fait une bataterie. Voilà, c'était quand même un petit truc super rapidos. Voilà, on est rentré pas trop tard. Et puis, on a passé une petite soirée tranquillou. Voilà, on a mangé les restes de la semaine. On a regardé l'atelier. Moi, j'ai dû m'endormir vers 22h30. Voilà, je vais y arriver. J'ai dû m'endormir vers 22h30. Comme une mémé, et puis ce matin à 8h, je me suis réveillée. Ce matin, c'est notre dimanche habituel de ménage. Voilà, j'ai fait mon petit ménage tranquillou, hein, la salle de bain, les toilettes, la cuisine, la poussière. Simon a passé l'aspirateur et a lavé les sols. Et cet après-midi, j'ai vendu. Enfin, cet après-midi, vraiment, tout début d'après-midi, il était midi quelque chose, parce que la personne venait du fin fond du 95 et pensait que ça allait prendre beaucoup de temps à venir me voir et voulait passer en début d'après-midi. Et au final, elle m'a envoyé un message en disant on n'est plus qu'à 20 km, on va arriver un peu plus tôt que prévu. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc elle m'a pris, à la base, elle venait pour la lampe loupe. Et tant qu'elle était sur place, du coup, elle a vu qu'il me restait le Vapozone, donc elle m'a pris mon Vapozone. Elle a vu qu'il me restait donc l'appareil chaussière, elle m'a pris l'appareil chaussière. Je lui ai offert la tenue, voilà, d'esthéticienne, la veste et le pantalon. Et voilà, je lui ai fait le tout pour un prix global raisonnable et c'était sympathique. Voilà, moi je suis débarrassée parce que je savais que ça allait durer très longtemps et des fois il y a des gens, à la limite que ça vienne de moi, qui négocient les prix en disant plus vous m'en prenez et moins je vous fais payer cher, je veux bien comme en brocante ou des choses comme ça. Mais là il y a quand même des fois des choses que je vois, les mecs, ils me prennent, ils essaient de négocier un prix à 50% moins cher et en plus ils veulent que je leur amène. Voilà, c'est limite, s'ils veulent pas que je les installe et qu'au cas où, il y ait une garantie de 3 ans s'il y a l'ampoule qui pète ou un truc comme ça. Enfin bref, n'importe quoi. Donc ces gens-là, je les envoie chier maintenant. Et ça commençait à m'énerver parce que ça fait déjà 3 semaines maintenant que j'ai les trucs sur le bon coin. Et les gens, c'est n'importe quoi. C'est un coup, je te harcèle pour que je puisse venir au plus vite. Et quand je trouve un créneau, la personne me dit, je suis désolée, j'ai pas pu me libérer. Je vous tiens au jus, puis après, plus de nouvelles. Donc voilà, le bon coin, voilà, plus vite j'ai vendu. Donc maintenant, il me reste sur le bon coin l'appareil à chauffe-cire. Mon kit d'enveloppement à chauffe-pierre, pardon, l'appareil chauffe-pierre, mon kit d'enveloppement et des trucs d'extension de cils. Voilà. Donc, ça c'est pareil, si c'est pas vendu là, je ramènerai ça en brocante et puis on verra bien, je les bazarderai en brocante.
Voilà en gros, et puis bah là, Simon est en train de regarder des rediffusions de RMC Découverte là, sur les résistants et compagnie. Moi j'avais des vidéos à regarder, j'ai dit tiens, je vais filmer mon petit résumé de week-end, puisque d'habitude vous avez le droit à un blabla, et là j'en ai pas fait, donc je dis je vais parler. Et en même temps, j'avais envie de vous faire un petit concours. Entre guillemets, normalement voilà, il n'y aura pas marqué le mot concours dans le titre, et il y aura marqué concours nulle part, à vrai dire, parce que c'est plus voilà, des cadeaux pour vous remercier. Moi, j'avais dit, il y a peut-être un mois, quand on m'avait félicité de passer les 5000, en même temps, ça fait 5 ans, bien 5 ans assez, que je suis sur YouTube. Je me souviens plus exactement, je sais que c'était en mars, mais je me souviens plus, c'était 2012. Ça devait être 2012. Donc, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Et donc du coup, j'avais dit, parce que je ne suis pas une énorme youtubeuse et je ne gagne pas beaucoup d'abonnés, c'est resté très longtemps à stagner à 3000, entre 3000 et 4000, voilà, c'est resté très longtemps là. Après moi j'ai un très bon échange avec mes abonnés, ça se passe très bien, j'ai pas de méchanceté, j'ai pas de gnome, comme on les appelait avant, donc de vipère et tout ça, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de commentaires offusquants, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de harcèlement, j'ai rien, je fais ce que je veux comme je veux, je ne monétise toujours pas. Je fais pas de montage, je fais que des collages, voilà, je ne me prends pas la tête, moi c'est vraiment un passe-temps, un petit loisir. Donc tous les trucs chiants, je les garde pour dans la vie professionnelle et dans les obligations administratives maintenant, voilà, ici je m'éclate, je fais ce que je veux comme je veux. Et voilà. Après si c'était moi, je filmerais même limite tous les jours, parce que c'est vrai que j'ai toujours un truc à dire, toujours un truc à montrer. Faudrait qu'après j'essaye de me rénover sur certains trucs parce que moi-même j'ai envie, voilà, de faire des choses. Après, j'ai pas le matériel adéquat, moi je sais que. Mon appareil photo, enfin mon caméscope avec lequel je tourne, il a 5 ans, un de ces quatre, il va me lâcher. Ma mère m'en a offert un autre, mais qu'il l'a racheté à mon oncle qui est encore plus vieux que celui avec lequel je vous filme. Donc il faut que je fasse des essais pour voir un peu le rendu de l'image et compagnie. Mais on va dire que ça peut être un de secours au cas où celui-ci tombe en rade ou un truc comme ça. Appareil photo, j'en avais un qui était à peu près voilà, correct, mais qui du coup a le clapet pour les piles qui est cassé. Donc ce qui fait que je ne peux pas le trimballer à droite à gauche parce qu'à tout moment les piles peuvent tomber. Et j'en avais racheté un autre sur Amazon, pas très cher, 60 euros je crois. Et au final, la qualité de l'image n'est pas terrible. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Il faudrait peut-être que je rassemble tout ce que j'ai en petit matériel comme ça et que j'aille vendre ça chez Easy Cash. Et que ça me fasse un petit apport pour m'acheter peut-être un appareil photo pour faire des vlogs, voilà, avec une qualité d'image un petit peu mieux. Voilà, et demander des sous éventuellement à mon anniversaire ou des choses comme ça pour participer. Et que je mette au moins 200 euros dans un appareil photo convenable. Voilà, qui fasse en même temps caméra de vlog, appareil photo, enfin plein de petits trucs sympas. Et puis bah, que je prenne le réflexe à chaque fois que je filme de mettre mon parapluie. Et bon là je suis dans la chambre, peut-être que ça résonne. Le mur derrière est tout gris. Il n'y a pas le canapé, il n'y a rien parce que du coup la pièce là-bas est occupée. Et donc du coup j'avais dit quand j'atteindrai les 5555 abonnés, je ferai gagner 5 abonnés. Un petit concours avec une petite boîte avec des petites surprises. C'est arrivé extrêmement vite. Je pense que Hélène LC y est pour quelque chose parce que du coup l'autre fois j'ai regardé, je regarde pas trop les Chairs de Love parce que c'est vrai que du coup je n'apparais jamais dans un Chairs de Love. Et là elle a fait un Chairs de Love spécial, je pense que ça devait être des youtubeuses pas très connues et des youtubeuses qu'elle aime bien suivre, des youtubeuses de la vie ordinaire en fait, pas qui ont des vies extravagantes ou des vies imaginaires. Donc, ce qui fait que bah, elle m'a cité dans ce Share the Love, il y avait 5 personnes et j'en faisais partie, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et c'est vrai que j'ai gagné plusieurs abonnés, je pense des abonnés à elle qui sont venus cliquer et enfin, je correspondais un petit peu à leurs attentes. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont venues grâce à Hélène, je remercie encore Hélène. Et donc, ce qui fait que j'ai un petit peu grimpé vite. Pendant un mois, j'ai gagné quand même pas mal d'abonnés. Donc, c'est voilà, ça fait très très plaisir et en plus, voilà, ça continue un petit peu au niveau des échanges et c'est cool. Et donc du coup, bah, je m'exécute. J'ai été demandé sur Facebook quel type de lot vous aimeriez, parce qu'en fait, on est à une période où effectivement, mon locataire ne m'a toujours pas payé. Ça fait 2 mois de suite, effectivement, qu'il a un problème avec sa banque. Et donc du coup, ils sont obligés de lui quémander ce qui passe, venir déposer un chèque, machin, parce que son virement n'a pas marché. Donc voilà, pour l'instant, je suis encore en attente de mon loyer. Et comment dire, on arrive aussi aux périodes où il va falloir penser à Noël, donc je ne pouvais pas mettre énormément d'argent. Et je voulais quelque chose aussi qui corresponde à ma chaîne, c'est-à-dire je suis quand même une fille qui est extrêmement. Alors moi je me qualifie de radine, mais beaucoup disent que je suis très économe et très restreinte, voilà, au niveau du budget, du choix et compagnie. Je regarde beaucoup par rapport au prix, par rapport à la qualité prix, etc.
Et donc, ce qui fait que moi, quand j'achète des choses, que ce soit des choses que j'ai achetées prix fort, pas fort, que j'ai achetées d'occasion neuf ou autre, je les essaye tous, je me fais mon avis, etc. Et au fur et à mesure, je mets des choses de côté pour d'éventuels échanges, d'éventuels swaps, d'éventuels cadeaux. Voilà, quand je vois par exemple que la dernière fois j'avais vu Marine, je lui ai fait un petit sac avec des petites choses que je n'utilisais plus, que j'avais mis de côté, qui ne me correspondent pas ou autre. Et donc là, j'ai été faire le tour de mes placards parce que j'avais demandé sur Facebook pour le type de lot, qu'est-ce qui correspondrait le mieux à ma chaîne et qui serait le plus sympa, des choses neuves mais discount, ou alors des choses d'occasion que je ferais en vide placard un peu dans mes placards. Et ils m'ont dit, alors ce qui revenait le plus c'était vide placard, il y avait un petit peu d'autres qui disaient un mix des deux, mais j'ai pas eu totalement, enfin j'ai eu personne qui me disait des trucs neufs mais discount. Donc j'ai dit, on va faire un peu comme ça. Alors il y a des choses neuves mais qui étaient dans mon placard. Il y a peut-être une chose que j'ai achetée exprès pour vous, et après, le reste, c'est des trucs de placard que j'avais déjà d'avance, que j'ai pas utilisé, ou alors des choses que j'ai déjà utilisées qui sont d'occasion, mais qui sont encore bien bien valables. Alors, moi, le but également est que tout rentre dans une boîte comme ça. Ceci est une boîte de recommandés, parce que je suis assistante de direction et je gère les fournitures dans mon service. Et donc, je gère effectivement les boîtes de recommandés, et quand elles sont vides, et du coup, moi, je les récupère parce que je me dis. Ce que j'aimerais bien faire, c'est trouver effectivement une youtubeuse avec qui je m'entendrais bien et avec qui je ferai des boîtes mensuelles, mais avec peut-être 5 produits. À chaque fois, tous les mois, peut-être un produit de beauté, un produit gourmandise, un produit, un bijou, faire un truc comme ça. J'ai pas encore trouvé la personne avec qui proposer faire cet échange, mais je m'étais gardé des boîtes de côté, donc j'en ai quand même, je pense, une petite dizaine dans mes placards. En plus des 5 que j'ai mis de côté. Hein. Et donc, du coup, j'ai ressorti ces boîtes-là. Je me dis, c'est très bien, c'est un format très bien. Pour le concours, ça peut être sympa aussi. Je recouvrirai sans doute avec du scotch marron pour pas qu'on voit toutes les écritures comme ça. Et j'ai dit, maintenant, il faut que je trouve 5 trucs qui rentreront là-dedans. Hop. Ce que je vous propose. J'ai fait mon petit tri quand même. Je vais mettre ça de côté. Je propose, donc, il y a beaucoup plus de soins que de maquillage ou autre, hein, mais bon. Je propose de mettre dans chaque lot un masque comme ceci. Donc ça peut être des choses aléatoires. Hein. Il n'y aura pas tous la même couleur, pas tous le même masque, pas tous le même truc. Donc par exemple pour les masques comme ça de chez Action, ce sont des masques en tissu, ce sont des choses que j'adore utiliser. J'en utilise toutes les semaines. Quand j'arrive à en trouver chez Action, on en prend un gros paquet. Hier on était chez Action, on en a pris 10. Voilà. Donc voilà. Donc là du coup, il y en avait dans mon placard et j'ai essayé de vous prendre. Quelques petits trucs, donc il y aura un truc comme ça pour le visage, il y aura un masque comme ceci, des chaussettes peeling pour les pieds. Celles-ci en fait j'en avais acheté plusieurs et il y a marqué peeling mais elles ne sont pas très 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 fortes. Voilà, je pense que pour des peaux sensibles ça peut très bien convenir ou pour des peaux légèrement abîmées, mais moi j'ai pas eu les pieds qu'on pelait avec ceux-là, avec les autres oui, mais ceux-là sont vraiment voilà. Ça permet un peu de gommer les pieds un peu comme ça et après de les réhydrater derrière, ça fait du bien, mais celles-ci sont pas. Top génial, je m'en excuse, mais voilà. Donc voilà, un petit truc pour les pieds. On continue dans les soins. Chacune aura, là, du coup, aura le même. Donc vous savez, hein, mes petits patchs pour les yeux que j'utilise aussi toutes les semaines, que j'adore et que je trouve donc sur Amazon. Donc les dorés comme ceci. Donc tout le monde aura les mêmes dans ceux-là. Tout le monde aura également ceux-là. Comme ça, vous allez m'aider à les terminer parce que ceux-ci, j'y arrive pas trop. Ce sont des masques contour pour les yeux, mais qui font vraiment tout le contour de l'œil, où il y aura juste effectivement une fente pour mettre votre œil. Mais voilà, donc c'est des masques à cela en tissu et pas en collagène ou en silicone. Tout le monde aura également un truc comme ça, un masque pour les lèvres, donc rose comme ceci, que je fais également toutes les semaines. Là, de manière aléatoire, ce sera des échantillons pour la douche. Donc il y a huile et crème de douche de chez Rivadis. Là, du coup, j'en ai acheté pour vous tous les mêmes. Donc voilà, c'est un lot de deux masques. Voilà, c'est des masques peel-off. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font, ceux-là. Élimine en douceur les cellules mortes et les impuretés de la peau. Voilà, en gros, il y a un masque de ce côté-là, un masque de ce côté-là. Et une fois que c'est sec, vous savez, ça s'enlève comme la peau de serpent. Ça, j'ai acheté ça aussi chez Action. C'est des masques qui doivent sentir, je pense, le macaron, parce qu'il y a des macarons un peu partout. Et là, vous en avez toutes un. Ensuite, au niveau des ongles, tout le monde aura la même marque mais pas la même couleur parce que ça, du coup, j'ai été piochée dans mon stock personnel. J'ai été regarder un peu parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu feignasse au niveau des vernis. J'essaye d'en mettre, mais j'essaye tous les mois. Là, ce mois-ci, je vais mettre tous les essences. Par chance, j'en ai que 5, donc ça va vite. Mais je pense que je vais commencer un peu à redécouvrir un peu toutes les marques et à utiliser et après faire un tri. Voilà, les choses que je sais que je ne remettrai pas ou qui ne me conviennent pas ou voilà.
hop, après je ferai soit gagner ou soit je vendrai en brocante. Et donc là, tout le monde aura un vernis Kiko, mais j'ai plusieurs couleurs en fait. Il y a du violet, du rose, du corail, et puis il y a un bleu-vert. Mais c'est tous la même collection et la même marque qui est la marque Kiko. Toujours pour les ongles, tout le monde aura des petits stickers comme ça pour les ongles. Alors pareil, les motifs sont aléatoires, mais j'ai essayé de prendre des planches de même couleur. Tac. C'est-à-dire que tout le monde aura voilà, des petites planches comme ça. Tout le monde aura une planche avec un motif noir. Bon, de manière aléatoire, tout le monde n'aura pas ce motif-là, mais aura quelque chose avec des trucs noirs. Aura avec des motifs blancs. Et aura avec des motifs de couleur. Voilà. Et en ce qui concerne le maquillage, j'avais acheté il y a plus d'un an maintenant, je pense, les palettes Zoeva via AliExpress. Donc ce sont des fausses. Je les ai utilisées et elles ne me conviennent pas. Parce que je trouve qu'elles sont quand même très classiques. Par exemple, vous voyez, celle-ci, c'est la Golden Rose. Et dans la Golden Rose, voilà comment ça se présente. Donc, je les ai déjà toutes utilisées. Hein. Je ne vous ai pas fait de revue dessus parce que comme c'est de la contrefaçon, ce sont des imitations, voilà. Du coup, je ne peux pas faire des revues dessus. Mais voilà, moi, je ne me maquille pas souvent avec des couleurs comme ça. J'aime quand même les couleurs. Et du coup, je suis un peu... Je suis un peu restreinte et je m'éclate pas avec ces couleurs-là. Donc je suis bien contente de ne pas les avoir achetées en vrai parce que ça m'aurait un petit peu fait chier. Voilà, de devoir les donner, les vendre ou les machins, voilà. Donc il y a la Golden Rose, imitation Zoeva. Donc j'ai mis à chaque fois derrière hein, qu'elles étaient fausses. Et sur la partie comme ça et aussi sur la palette, j'ai mis que c'était les fausses. Bon, j'ai pas de problème. Ensuite, il y a la Smoky. J'ai marqué aussi que c'était faux. Alors celle-ci, c'est pareil, c'est du grand classique mais en un peu plus foncé. Je ne sais pas si je vous les montre toutes, mais vous allez encore avoir une vidéo qui fait 15 ans. Vous avez la métal, qui pour moi n'est pas assez métallisée. Voilà, mais les couleurs sont chouettes. Donc celle-ci, je me tâte peut-être éventuellement, ça m'a permis de la tester, mais éventuellement de m'acheter la vraie. Voilà, donc au moins ça vous permet à vous aussi peut-être de tester, et puis après de vous faire une idée, et puis de l'acheter en vrai. La Cocoa Blend, celle-ci qui avait fait grand bien. Celle-ci, bon, ma foi, elle est sympathique, mais ça reste aussi des couleurs un peu trop classique à mon goût. Voilà, si je devais en acheter une, ce serait la métal. Et ensuite, il y a la Rodeo Bell. La Rodeo Bell qui est aussi sympathique, mais je ne me suis pas non plus beaucoup éclatée avec. Donc, je dis celle que je devrais racheter, enfin, celle que je serais susceptible de racheter, ce serait la métal. Mais voilà, ça m'a permis de les tester, de voir un peu ce que ça valait. Donc, par chance, 2, 4, 5, j'en ai 5. Donc, du coup, j'en glisserai une de manière aléatoire, c'est pareil, dans les colis. Et puis ben voilà, en gros, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y aura 10 petites choses dans le colis. Ça peut être sympathique pour Noël. Donc, la date à laquelle je mets ce concours, ce sera aujourd'hui. On est le... Alors, je vous filme, c'est le dimanche d'avant, donc c'est le 19. On sera le... je ne sais plus, je crois le 25, je crois. Non, le 25, c'est samedi, donc ce sera dimanche 26. Donc, le concours commence dès la diffusion de la vidéo. Donc le 26, et je pense que vu que les gens mettent des fois une semaine à voir la vidéo, je laisserai une semaine jusqu'au dimanche de la fois d'après. Et donc le dimanche de la fois d'après, je clôturerai. Je noterai donc au fur et à mesure les noms de celles qui sont intéressées pour recevoir ce petit colis de remerciement. Et donc je clôturerai la fois d'après. Je pense que la semaine prochaine, je vous dirai stop, ça sert à rien de pas continuer à participer la fois d'avant. Je vous mettrai quand même les petites choses, je pense, en barre d'infos pour que vous sachiez. Donc je vais pas appeler ça concours mais petit colis de remerciement. Et il suffit juste de me mettre un petit commentaire, un truc tout bête en disant sympa ce vlog ou sympa ce blabla, pour que ce soit noyé dans le truc et que vous dites je suis partante pour le colis de remerciement, comme ça, parce qu'on n'a pas le droit de faire de concours hein, sur YouTube. Et comme j'ai pas envie de me casser la tête de créer une adresse mail et tout le tralala, et je sais qu'il va pas y avoir 50 000 participantes, et comme je ne crie pas au effort que je fais un concours, c'est vraiment les filles qui suivent ce vlog qui seront remerciées en gros. Donc du coup, n'hésitez pas voilà, à mettre. Moi du coup, je noterai votre pseudo sur un bout de papier, et puis dimanche prochain, je ferai un tirage au sort des 5 gagnantes, voilà, et je vous contacterai pour vous demander votre adresse. Et je pense que je les posterai dans la foulée, la semaine qui suit, hein, le vendredi, puisque je ne travaille pas le vendredi. Donc je pense que ça partira sans doute le 1er décembre, quelque chose comme ça, pour que vous l'ayez courant du mois de décembre.
Je ne sais pas encore si, je ne pense pas que ça va peser lourd, je vais regarder combien pèse le truc, je regarderai combien me coûteraient les frais d'envoi sur la poste. Si vraiment je trouve que c'est abusé, eh ben, je vous demanderai si c'est possible d'avoir le point relais le plus proche de chez vous et je l'enverrai par point relais. Sinon, ben, j'enverrai ça par la poste. Voilà, si le prix est convenable, en gros, voilà, si ça fait quand même moins de 10 euros par tête, je peux éventuellement, voilà, je peux mettre 40 euros pour vous envoyer des petits cadeaux pour vous remercier. Sinon, voilà, hein, si effectivement j'en ai pour plus de 10 euros fois 5, ça m'embête un petit peu de mettre tout ça, même si c'est pour vous remercier d'être là. Mais quand même, quoi, je pense un peu à pour 50 euros, je peux offrir un très beau cadeau à ma mère pour Noël, par exemple, voyez? Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît, hein, que je fasse ces petites choses-là. Voilà, pour une fille qui avait rien à raconter, elle a quand même jasé pendant 25 minutes. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!